Mes sœurs et mes frères, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous adresse, ainsi qu'à vos familles, mes vœux de bonne santé, de longévité, de bonheur et de prospérité. Cette année 2020 est une année très très importante pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Face à tous les défis que nous aurons à relever ensemble, les plus grands seront de resserrer nos liens fraternels et de privilégier le dialogue afin de préserver la paix. Le dialogue, car le respect et la tolérance feront de nous un peuple fort et apaisé. La paix, parce qu'elle seule nous garantira de poursuivre le développement de notre pays et permettra la réussite de chacun d'entre nous. Tous ensemble, resserrons nos liens familiaux, nos liens d'amitié, mais aussi nos liens fraternels au sein de nos communautés, de nos villages, de nos quartiers. Nous sommes tous des frères et des sœurs, des enfants, des parents d'une même famille, la grande famille qu'est la Côte d'Ivoire. Faisons de la Côte d'Ivoire une terre où il fait bon vivre et où nos différences nous renforcent. Bonne et heureuse année 2020 à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse et bénisse notre beau pays, la Côte d'Ivoire.